Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une renquête sur Paladin et je suis en compagnie de Warc qui va jouer Victor, salut. Salut Iker, ça va? Ça va très bien, on va jouer avec Babou qui a l'air d'être un français, je sais pas, il a fait hey, Iker, bon il a mis Iker en majuscule, non pas forcément, c'est un français, mais C'est voilà. un français, ouais, Babou. C'est un français. Et ben on va jouer la petite Furia, car on essaye de tourner au niveau des îles, on a fait Genos, on a fait Damba, là on part sur Furia, la game d'avant on était sur un pipe médecin de bataille, mais on est sur un... On était un... avec un Androxus 7 cases à la fin de la partie, 37 000 de DPS sur une game de 20 minutes. C'était pas très cool, donc j'ai décidé de pas poster cette vidéo, on l'a perdue malheureusement. Aïe aïe aïe. Ah mais j'ai encore... Je suis un DPS. Ouais, DPS Warc, ça devrait le faire. Après, on est sur une compo double heal en face, mais nous, on a une grosse compo en termes de capacité à DPS. Puis ils ont H et Mi, ça va créer de l'espace. Il y a peut-être une fou... Nous, on gère l'Andro et on est à peu près tranquille. Enfin, moi, je gère l'Andro avec Victor et on est à peu près tranquille derrière. Donc, c'est pas mal. Alors, il a 9 munitions. Ok. Oui, 9 munitions à l'Andro. Allez go. Je vais juste mute mieux. Parce qu'il commence à dire des trucs bizarres. BK middle. Oula. Alors Andro pareil. Bon bah du coup je vais juste taper la Nara pour l'Andro. Ouais il joue très défensif l'Andro. Je peux ouais. C'est un peu la version évoluée de notre dernier endroit je pense. Oh il a l'air moins... Je vais. Il a vraiment moins de bébêtes. Oui, il a l'air de taper. Taper sur d'en bas par contre parce que là du coup il supporte plus vraiment. J'ai bientôt mon ult. Je vais heal le barrique et après on y va. Et là va mourir. Voilà. Puis j'ai mon ult, super. Ok parfait. Il veut pas lâcher le point de Marek. Marek, il est collé au point. Je le laisse. Allez, ça dismount. Il n'a rien de vrai pour montrer. Ouais, c'est bon, elle a été dismount. Elle ne pourra pas retoucher. Ah, ça c'était pas cool. Je t'en voudrais toute ma vie. Attends, la KS. J'ai utilisé, non c'est pas le cas en soi, c'est juste j'ai appuyé avant qu'il meure en fait, enfin, et du coup ça m'a utilisé un barrage quoi. Ah oui mais ouais, ouais mais bon il restait, tu sais Furia ça fait pas beaucoup de damage par seconde, hein. Il est resté un HP quoi. 100, ouais. Après c'est vraiment un champion dur à 1v1 quand elle est full chargée en, je sais pas comment ça s'appelle, sa barre. La Furia, oui le coup. J'essaie d'aller à droite parce que on fait pas de tir croisé. Grenade. Bah alors votre compo double heal les amis ça marche pas. Voilà la preuve que ça marchera encore moins avec un Damba par contre. Et ils ont fait cette erreur là. La double heal ça marche pas. Ah bah il faut deux heals au moins offensifs quoi, faut Grover Genos ou Grover Fury, ouais, voilà. Ou Fury à Grover, Fury à Genos mais... Grover Genos c'est le, je pense, le plus utilisé. Tu es adoubé par Babou. D'accord. Iker Hall. Iker est supérieur à Hall, peut-être pas exagérer non plus hein. Je fais gaga comme tout le monde. La phase des stars. Exactement. Non mais ça serait on bien que ça... Avoir un ult. Ça, ouais, faut s'y préparer. Mais moi j'ai mon ulti en défensif au pire. J'ai ulti BK aussi. Ok. Ah. Ouais. C'est dans le sol par contre. Ils sont tous à droite. Ils trush tous la gueule. Ouais. Bah tu peux mettre un ult là. C'est bon. Oula. Oui, donc BK a mis ses bombes pour la première fois. J'étais pas prêt. Mais non. Et non.
Eh mince. Ah mince, BK a mis une bombe. Sticky bombe. Il veut pas lâcher le point, il veut pas lâcher, il veut pas lâcher. Il veut ses crédits à la fin. Non, 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 je crois. La pauvre hache. Ah, il y a un petit PK là, non. Je vais prendre BK normalement. Et Genos, ça c'est gratuit. Oh, je vais laisser le baril de poche, hein, il aime le boire. C'est ma... Ça c'est ma revanche. Il y a quelqu'un derrière moi. Ouais, y'a mal en bas. Ah merde, merde. Pas parti dans la bonne direction, au secours. Oh non. On a tellement mal joué sur la boue. C'est parti dans la mauvaise direction et moi je voulais tuer le Lamba au départ. Qui avait un HP. Oh. C'est Genos, il meurt bien. Oh. Je vais revenir plus vite. Il va tomber, voilà. Je vais aller à full droite. Là, je la vois la hache. Je vais t'aider. Dès que je vois BK. Merde. Bon. On se fait délai. Vous l'ami. Tu vas t'en sortir ça. Ah, je vais se faire terriblement délire encore. Merde, j'arriverai trop tard. Oh, c'est bon. Oh, les ult, voilà, ils sont obligés. Aïe. Mais c'est gagné. Bon, un peu trop facile, mais ça va. C'est but de dégâts. Ah, ça glisse tout seul. Ah bah oui, bah là on l'a expliqué. Hein, si l'Andro il doit gérer une Furia et un Victor qui se protège, enfin qui terre dessus dès qu'il peut, il peut pas y arriver tout seul sans obstacle. Ouais. C'est genre trop dur. Pourtant il a 8 kills. Hein. Mais voilà, il est un peu trop tout seul quoi. Et ben on va relancer une deuxième, comme ça on fera deux records pour le prix d'un dans une game, dans une vidéo. C'est pas mal ça. Allez, à tout de suite. Et on est parti! C'est exactement la même map, on est de retour. Pas le même perso, mais Warc, le même perso, Victor. On est parti, ça sera Élu des Esprits, bien sûr. Alors j'étais parti pour jouer Inara, et j'ai dit bah, si tu veux, je peux jouer Maldamba, et il a accepté de swap, donc je me suis dit que ça pouvait être mieux que ce soit moi qui essaye de veiller sur Victor. Parce que là, c'est pas du tout la même histoire que la game d'avant. Là, tout à l'heure, il y avait juste un Andro tout seul. Bah là c'est un Andro avec un buck, donc ça peut être beaucoup plus violent. Un buck filé aussi, on va faire gaffe. Ah, il va burst. Ça va risque d'être différent. On a le même joueur de hache avec nous. Ouais. Et on a un français. Et en face, il y a Matt Bluck qui avait joué un personnage, je crois que c'était le Damba dans la game d'avant. Moi je vais aller à gauche avec toi. Ok. Il aurait fallu que la hache se mette devant toi là à gauche, ça aurait été bien. Andro a utilisé ses dash. Ouais, c'est très chelou comme move, on est d'accord.
Ils sont tous derrière, derrière, derrière. Il y en a un derrière là. Là, Shiva apparemment. Oh, ouais, super, il y a quelqu'un derrière moi. Ouais, c'est le bug qui trash. Merde, ma souris bloque, j'adore. J'adore quand il se passe ça. Voilà. Faut être un peu plus. Enfin, de toute façon, faudra jouer plus agressif que au final, plus vilain, plus bête quoi. Elle a bien joué la hache, elle a joué la backline et elle a bien joué. Ouais, elle a attendu, je l'avais dit en début de game, elle a bien respecté. Cool. Les gens qui respectent les conseils. Il a bien utilisé ses dashs avec Andro. Bon, pour le moment, leur compo double flanc marche pas très bien. Celui-ci, c'est qu'ils auraient eu Genos, je pense, ça aurait été un peu plus. Un peu plus dur, ouais. Ouais, ils, ont préféré, violent, mais... ils ont préféré prendre par vous. Puis l'Andro n'est pas bon, hein, par contre. Y a Vivian... J'ai Viviane sur la gueule, elle flanque. Hop. Merci. Qui me plaît. Alors, s'ils se mettent à avoir triple flanc, on est beaucoup chier. Je vais aller par là. Hop. Oula, je sais pas viser. On a perdu la mine. Là, Viviane, là, elle aurait dû reculer avant. One encore, voilà. Elle joue le clic droit pour éliminer les flancs, je pense. Oh. Oh. Ça, c'est vilain ça. Il s'est obligé sur le point, ça passe bien joué. Voilà. On va quand même prendre un petit marégie si jamais. Pour le fun. Décidément, les games se passent bien. Même si là, ça devrait normalement être théorie beaucoup plus dur, mais vu que l'Ash elle a fait le taf au début, elle a fait, vous avez vu, regardez le début si vous voulez progresser en off-tank, elle a fait le tour, elle a resté en monture, elle a attendu que Andro fasse le tour et elle s'est présentée devant eux en mettant son shin, elle a fait salut, je vous attendais. Et ça, c'est comme ça qu'on joue off-tank quand tu joues contre plusieurs flancs. Parce que tu joues contre un flanc, t'es pas obligé de faire ça, sauf si c'est fiché co ou je sais pas, un joueur pro, et voilà, il t'a envie de le faire chier, mais sinon. La patience ça paye, hein. De toute façon, en plus cette map c'est une map où dès qu'on meurt il y a vraiment très peu de chance. Alors attends, je crois qu'ils sont à droite. Très peu de chance de revenir, ouais c'est Bucky à droite. Tu vois là pareil, elle a voulu faire le même move. Merde, je peux user. Non, c'est sur moi, mais y a un bug. Pas le bug. Je vais y aller. Il risque de me tuer. Il risque pas de me tuer. J'avais mon ulti au KO mais je le voyais pas donc c'était compliqué. Ah c'est bon, il fait pas comme le barric. Ah, droit gauche. Oh toutes les têtes que je mets. Le pauvre. Oh. Il y a l'endroit qui... ouais, il y a l'endroit à gauche, les gars. Voilà. Immortal. Ah, j'ai mon ulti, mais j'arrive pas à trouver de position pour lui. Merde. Ah, mais c'est trop facile ce jeu. Paladin facile. Donc ça va marcher mon pire mais c'est pas grave. Tape dans le shield. Voilà. Ah
Eh ben dis donc. C'était clean. Deux. Bon, c'était clean d'ailleurs. Il fait quelques petites erreurs, mais ça va. Ça a été. Pas fait assez de dégâts, mais bon. Ah oui. On est mort. Il y a la hache, toi et moi, on n'est pas mort quand même. C'est. Parce que. Bien. Ok, bah let's go hein, pour à plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo, hein. c'était facile. Vous voyez, il faut toujours jouer à deux. DPS healer, ça marche bien mieux parce qu'on a essayé tank healer, ça marche moins bien. Ouais, il n'y a pas de follow de toute façon sur les dégâts.